Good afternoon. Good afternoon, 47. Your target is Xander Haverfolk, attaché at the Swedish consulate in Marrakesh. We are expecting him to meet a courier in the city to facilitate the transport of a consignment of diamonds on behalf of Klaus Hugo Strandberg. You must both retrieve the package and eliminate the target. We have been unable to obtain any information on where this package is located, so you will need to shadow either the target or the courier to discover its location. The clock is ticking, 47. Good luck. The situation in Marrakesh is unstable, and we believe a coup is imminent. This will provide cover for your operation. Our intelligence indicates the target entered the Swedish consulate, but has not been spotted since. The courier is already at the cafe in the city center. Good hunting. Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. On se retrouve pour la cible fugitive réactivée, le fixeur, donc Xander Haverfolk, donc qui était, je crois, la cible numéro 11 à l'époque. Donc là, j'ai récupéré une seringue mortelle et des pièces de monnaie par terre, donc ça m'en fait un petit peu plus avec ce que j'avais. J'ai bien entendu aussi le Silver Baller de l'ICA. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, le but va être de se procurer le pass du consulat. Donc on arrive ici, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. On se dépêche, c'est une question de timing. Il faut d'abord se débarrasser de la blonde, enfin la neutraliser. Et on fait pareil avec le garde avant qu'il se retourne. Sinon, il nous voit neutraliser la fille et c'est pas bon pour nous, n'est-ce pas? Donc du coup, là, on récupère le pistolet. Ça peut toujours servir. Non seulement ça donne des munitions supplémentaires pour votre arme, mais en plus de ça, on peut toujours le poser par terre pour faire diversion, pour attirer un garde, etc. Donc là, le pass, ça c'est pratique. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va assister à la conversation entre notre cible et le coursier. Donc on va pas se parler de toi, on va s'infiltrer donc pour aller directement dans le bar à chicha. Hop, là je descends, je monte ici et je vais descendre par la gouttière qui se trouve en fait dans les toilettes. Même pas de toi dans ce bar à chicha, c'est pas croyable ça. Voilà, impeccable. Donc là en plus il y avait un soldat qui a été... Il était aux toilettes, il est sorti au bon moment, c'est très bien. Donc là, je vais m'asseoir tranquillement à la table en lisant le journal et on va attendre bien sagement Xander. Comme vous pouvez voir, le coursier est déjà là, contre le mur là-bas. C'est le mec au chapeau avec le pull sur les épaules, chemise bleue, claire. C'est notre homme... qu'on va suivre d'abord parce que je vais privilégier en fait de suivre le coursier et je m'occuperai de la cible seulement après. Voilà. Donc je n'ai pas dit encore que c'était d'ailleurs la version Xbox One. Je vous proposerai la version PS4. Derrière cette vidéo, de toute façon, vous aurez finalement les deux versions dans la même vidéo. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà, monsieur fait son malin. Il a l'air ridicule en plus. Avec ses cheveux gominés et tout, là, il se prend pour un espèce de mafieux, là. Des années. Enfin bref. Donc là, on a le choix. On va avoir le choix entre soit suivre Xander, notre cible principale, ou alors suivre le coursier. Donc là, que fait-on? Ah ah! Écoutez, c'est simple. Moi, je choisis de suivre le coursier afin de voir du coup son chemin. Qu'est-ce qu'il va faire? À qui il va parler? Donc là, faut faire attention, comme vient dire Diana, en fait, faut pas s'approcher trop près, faut quand même prendre ses distances afin de le prendre en filature
en étant le plus discret possible. Donc c'est vrai que c'est pas du tout évident, parce que bah, il peut nous repérer si on s'approche de trop près. Mais bon, ça après, c'est relativement facile quand même. Par contre, ensuite, donc va falloir faire attention parce que va falloir trouver le moyen de le neutraliser. Et ça, je peux vous dire que c'est pas gagné, mais ça, vous le verrez tout à l'heure. Voilà. Je vous dis ça parce qu'en plus, j'ai enregistré donc, la piste audio à part, comme c'est sur Xbox, et que, encore une fois, bah, je le reprécise à nouveau, même si tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même, que ça me fait plus de boulot, étant donné que je capture d'abord sur console Xbox One, et ensuite, comme mon micro est a priori pas compatible avec leur logiciel de capture, bah, du coup, j'enregistre ma voix à part. Donc deux fois plus de boulot. Mais bon, ça me dérange pas. Alors que sur PS4, ben, tout s'intègre parfaitement et je gagne un temps fou. Mais ça vient pas de la Xbox, hein. Ça vient du micro de mon casque qui est pas compatible tout simplement. La Xbox One est une excellente console. C'est d'ailleurs la One S que j'ai. Hein. On voit d'ailleurs que rien que sur One S, je suis pas du tout sur X, mais sur One S, on voit très bien quand même que le jeu est quand même bien fluide. Alors sur X, j'ose même pas m'imaginer parce que le jeu a été quand même optimisé. Il fait partie des. Faut le savoir, Hitman fait partie des plus beaux jeux optimisés sur la One X. Il est sur la liste des jeux des plus beaux de la One X. Bon, après, de toute façon, les graphismes, hein, c'est pas non plus ce qu'on recherche. Hein. Ah, joli le bug avec le bras de la fille. D'ailleurs, j'ai jamais vu énormément de bugs hein, dans ce jeu. J'en ai déjà vu, mais pas énormément, quoi. Ils ont dû quand même bien tester avant de le sortir à l'époque. Non, le commerçant, je m'en fous, je t'achèterai rien, et encore moins tes sacs à main de merde. Donc, là par contre, j'ai une petite faim, j'avoue qu'une petite pastèque, une banane ou encore un petit ananas, ça me tenterait pas mal. J'aime beaucoup cette tenue comme ça, avec AK-47, c'est comment ils appellent ça, le costume de Reaper. Ah ouais, sinon, juste pour dire... Le 17 mai prochain va sortir la définitive édition, j'en profite de vous en parler. Bon, je ne ferai pas de vidéo dessus, quoi, parce que... Mais en fait, si vous voulez, c'est une nouvelle version boîte, hein, vu que bon, le jeu à la base est sorti en 2016, et puis pour rappel, la première version boîte était sortie en fin janvier 2017. Et donc là... on retrouve une nouvelle version en boîte. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc là, on va voir le mec lui donner les diamants et le coursier va partir. Voilà. Donc là, maintenant... Maintenant qu'il est sorti, bon, on va continuer. On va continuer à le suivre. Ouais, donc je disais, pour la définitive édition... j'en profite aussi de m'équiper des pièces de monnaie. Oui, pour la définitive édition, donc il y aura bien entendu tout le contenu de la saison 1. Hein, et ça va de soi. C'est une définitive édition, donc c'est un équivalent de... d'édition jeu de l'année, mais disons, il n'y aura pas d'autres versions plus tard. Quoi. La définitive édition, c'est vraiment le truc définitif, quoi, comme son nom l'indique. Ça va de soi. Voilà, donc vous aurez vraiment tout, quoi, y compris les suppléments, la campagne supplémentaire Patient Zéro qu'on a eu avec tous les trucs en plus, défis, costumes, etc., les armes, tout ce qu'on a eu pour la version édition jeu de l'année. Vous aurez tout. Dans la définitive édition. Voilà, vous aurez tout. Tous les épisodes bonus qu'on a pu avoir lors de la saison 1 pour Sapinza, Marrakech, etc. Bon, lui, je vais essayer de l'attirer ici.
Ça aurait pu marcher, mais ça marchera pas. Bon, déjà parce que la porte se referme, mais ça me pète les couilles, mais... Il s'est retourné, mais non, manque de peau, c'est un soldat. Donc du coup, bah tant pis, je sors. Et c'est pas de peau, parce que j'aurais pu le neutraliser ici, et je n'aurais pas eu besoin d'aller à l'école, qui est le complexe du général. Donc malheureusement, puis là on peut rien faire entre les PNJ qui passent dans le dos, qui ont été sur la droite, et puis bon bah lui bien sûr qui il est avec les... Ah ouais, non bah non, c'est pas possible avec les soldats de la milice, donc faut que je trouve un autre moyen. Bon, on se m'accroupit, mais le mec il fait, ils sont fous. Bon, c'est vrai, hein, je pourrais très bien regarder mes chaussures, hein. Ou refaire les lacets, même si j'en ai pas. Non. Bon, on va attendre que le soldat passe. Lui, là-bas, il ne vient pas. Vas-y, fais demi-tour, dépêche-toi. Hop. Hey, je passe dans ton dos. Oh oui. Tu m'as pas vu. Bon, allez. On profite quand même pour prendre quelques pièces en plus, hein, parce qu'on en a jamais assez. Hein. On sait jamais, des fois, qu'on en perdrait en cours de route. Ah. Bon, plus sérieusement, bon, alors, on attend que ces deux guignols finissent de parler, et je vais neutraliser celui de droite, pour avoir son costume, tout simplement. Je vais tout ramasser, c'est là d'ailleurs que je vais me rappeler qu'il avait un pass aussi pour le consulat. Donc, comme ça, bah, vous saurez qu'il n'y a pas que la blonde sur le truc, hein, qui a un pass. On peut aussi en avoir un grâce à lui. Mais bon, sur le coup, j'ai pas pensé, vu que de toute façon, moi, en neutralisant, tout ce que je voulais, c'était son costume. Enfin, son uniforme. Bon, qui c'est qui va se prendre un coup de marteau à travers la gueule? Paf! Surprise! Tiens! Hop! Hey, rideau! Allez! C'est parti, déguisé en 2 secondes, on y va, tac! Et ça, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien ça, le côté, genre, je me déguise en 2 secondes. Bon, c'est sûr que c'est pas réaliste du tout, mais bon, c'est un jeu vidéo, et c'est le genre de petits détails qui font que j'aime bien que ça fasse jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, peu importe. J'espère d'ailleurs que ça changera pas, c'est le genre de petits détails que j'aime bien. Mais bon, jusqu'à présent, il a toujours mis très très peu de temps pour se déguiser, de toute façon. Donc là, bon, le truc qui est bien, c'est qu'avec l'uniforme, bon, à part les officiers au béret rouge, bah sinon, bon, on peut passer tranquille, hein, devant n'importe qui. Donc là, bon, voilà, je me mets quand même accroupi, parce que, voilà, parce qu'il est chiant, l'autre. Et là, maintenant... Bah, mon but va essayer de coincer le coursier pour le neutraliser, et donc il faut que je trouve, du coup, mon truc, ça va être de, peut-être de prendre un déguisement d'officier. Et comme je sais pas à quel endroit il va passer, donc là, je sais qu'il y a un officier là-bas dans la pièce, mais bon. Je vais d'abord neutraliser ce con-là. Retourne-toi. Voilà, t'es gentil. T'auras peut-être un bonbon plus tard. Ou pas. Bon, bien sûr, j'avais oublié que j'ai pas le crochet. Donc, on va sortir par la fenêtre. Bon, il n'y a pas de carreau, tout ça. Je me dis, est-ce que peut-être que... Non, ils n'entendent pas. Bah, ça, c'est génial. Donc, bah, je vais trouver une autre alternative. Hein. On va essayer de l'attirer.
là, je fais exprès qu'il me repère. Sauf que, je sais pas, je dois pas attendre assez longtemps. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, bah, là c'est pareil, la brique, bon bah elle s'est pétée, mais bon. Non, du coup, je vais pas m'emmerder, je vais balancer une pièce, comme ça au moins on sera débarrassé. Allez, tiens, vas-y. C'est bien, vas-y, allez. Va dessus, va sur la pièce de papa. Allez, va, 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 que papa puisse t'assommer. Allez. Voilà. Bon, je n'ai pas assommé, mais neutralisé. Allez, il est maîtrisé, on n'en parle plus. Allez, dans la caisse. Hop, 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 hop. On va peut-être attendre un petit peu quand même, parce que, ouais, non, il va nous voir le cachet. Il va nous voir le cachet, l'enfoiré. Donc, on va attendre. On va attendre qu'il bouge une nouvelle fois. Ah, mais il y a le coursier qui passe, hein, qui est en train de descendre l'escalier. Voilà, ça c'est bien. Donc là, on va se dépêcher de cacher le petit bonhomme. Et on va attendre que lui se retourne, parce que là, il est un peu en vue par rapport au couloir, avec son collègue qui arrive là-bas. Et donc là, le champ de vision est impeccable, parce que là, il n'y a personne qui vient à droite. Et là, on peut le neutraliser. L'autre, il est derrière le mur, et il ne verra rien du tout. Donc ça, c'est bien. Faites bien comme moi, vous allez voir que ça marche parfaitement. Mais il faut que lui soit déjà là aussi. Voilà. Là, il est posté là, il reste quelques secondes, c'est plutôt pratique. Voilà. Ne faites pas ça s'il y a quelqu'un qui passe. C'est pas une bonne idée. Donc là, bon, on va peut-être le cacher, bon, pour anticiper. Moi, je pense que personne ne viendra, mais bon, je le fais quand même pour par prudence, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, voilà. Donc pour le fun, je décongédie. Tiens. On a vu Louis Charlo dans la cour. Là. Tiens, guette donc, le revoilà. Connard. Connard. Mais oui. Allez, on va te suivre. Ouais, mais non, en fait. Ah, le général Zedan redescend, connard. Mais en fait, c'est tous des connards là-dedans. Non, mais allez, quoi, dépêche-toi, quoi. Ah, je crains un peu qu'il aille dans un endroit pas facile d'accès. Mais on va voir ça. Allez, vas-y, je vais passer là, non? Ouais, non, il n'y a pas besoin. Ah oui, c'est vrai qu'il va voir le prisonnier. Bon, allez, on monte l'escalier. Vite, 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 vite. Pouet, pouet. Pam, 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 pam. Tiens, tiens, pas mal. Non, tu restes là, toi. Ici, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien, ça. Hop là. T'as vu la pièce? Non, 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 non. Mais non. Ok, donc faut jouer de la pièce avec toi. D'accord. Je suis débile, je vois une pièce, donc je vais la ramasser. Yeah. Mais bien sûr, je suis débile, je vois une pièce, je vais aller la ramasser. Bah ouais, t'es pas content. Oui, je me fous de ta gueule, mais bon, t'as qu'à pas non plus être aussi influençable. Ah, je suis débile, je vois une pièce tomber de la main de quelqu'un, je vais la ramasser. Donc... Ah ouais, ça t'embête, hein. Ah, ça t'embête, hein, t'aimes bien. Ou pas? Hop. Ah, là, il va y aller. Allez, surprise. Allez, hop. Allez, on ramasse tout en même temps. Mais voilà,
On a récupéré les diamants en même temps. Moi, je ramasse tout en traînant son corps. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est bien. Bon, là, maintenant, bah, c'est pas fini. Hein. Il va falloir s'occuper maintenant de notre copain. Copain ou pas. Non, c'est pas vraiment un copain. De notre cible Xander. Allez, pour le fun, on va les congédier parce que c'est rigolo. Allez, barrez-vous. Comme ça, le général Zedan va être tout seul. Bon, allez. Allez. On y va maintenant. Donc là, c'est vrai que le truc qui est vraiment pratique en tant qu'officier, bah, y a que certains officiers, pas tous, mais certains qui peuvent vous repérer. Et le général, bon bah, lui, il peut vous repérer, ça c'est sûr. Mais sinon, tous les autres soldats, grade inférieur, c'est même pas la peine, quoi. Vous passez tout debout devant eux, il n'y a aucun problème. Bah oui, c'est vrai, je peux pas, là. Enfin, je peux pas, si, je pourrais, si, mais... Et bon, regardez, comme ça va passer tranquille. Là, il y a l'un des officiers qui peut pas me repérer, parce qu'il me connaît pas assez, en fait. Tandis que l'autre qui était au-dessus, vers le bureau de Zedan, lui, par contre, il pouvait me repérer. Il y a certains qui connaissent vraiment bien leurs collègues, et d'autres moins, quoi. Et ça, c'est sympa. J'aime bien ces petites subtilités, en fait. J'aime vraiment beaucoup. Le jeu est vraiment bien fait sur plein de détails. Il regorge de plein de détails et ça c'est vraiment appréciable. Donc là c'est pareil, je passe en plein milieu des gardes, mais ils s'en foutent. Hein. Au pire, il y a même certains qui me saluent alors. Comme je suis un supérieur. Ça va, il y a encore le déguisement. Donc là voilà, on passe à côté des autres, tranquille. Donc on passe dans le souterrain, chose qu'on fera aussi d'ailleurs sur PS4. Donc. Allez, pour le fun, je prends ça dans mon inventaire, ça je m'en servirai pas, mais... Ah, mais bon, des fois que ça tournerait mal, on sait jamais, hein... Faut prévoir de tout faire péter. Bah ouais. Ah non, mais ça peut être utile, hein. Attends, des munitions, là. Hop, la boîte de pilules. Tac. Pareil, c'est que des choses aussi, je vais prendre aussi sur PS. Je préfère improviser en gonflant mon inventaire que... Comme ça, ça me permet d'avoir des petites... Ça me permet d'avoir plus ou moins... Enfin, en quelque sorte, un plan B. Au cas où ça parte en steak. Donc là, c'est bon. On passe la porte du consulat. Oh tiens, allez, une clé anglaise quand même. C'est toujours bon à prendre d'avoir des trucs en plus. Donc là, même si c'est pas nécessaire, je vais quand même prendre... Enfin, je vais désactiver les caméras de sécurité. C'est pareil, ça, sur PS4, vous verrez la même chose, hein, parce que j'envoie aussi une pièce comme ça au loin pour l'attirer. Et le truc qui est vachement bien, c'est que dès qu'il va la chercher, on a largement le temps d'aller pianoter sur le truc. J'ai même pas besoin de tirer dedans. Quoi que si, sur PS, je vais tirer avec mon pistolet. Voilà, système de surveillance désactivé. Ah, ta gueule. Donc, il y a lui qui est au-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend qu'il redescende?
J'ai pas envie de le neutraliser, ça sert à rien. Puis même si ça sert à rien, je pourrais le faire, quoi, pour éviter de le recroiser plus tard. Mais j'ai pas envie. Donc on va attendre sagement qu'il redescende et on va repasser dans son dos. Des fois, j'aime bien perdre mon temps en maîtrisant pas mal de monde, mais... Mais là, non. Bon. Ensuite, on termine de monter l'escalier. Alors là, ce qu'on va faire, parce que de toute façon, il va parler avec, vous savez, le blond, là, le mec du consulat. Donc, mais par contre, à savoir où est-ce qu'il arrive... Mais sachant que le perso principal du consulat, il arrive dans le coin, autant maîtriser un petit peu certains gardes de la sécurité. Donc, du coup, bah lui, on va quand même le cacher. On va récupérer peut-être son pistolet. Voilà. On va prendre son déguisement parce que... À l'étage, c'est quand même plus pratique. Là, on dissimule l'objet. Voilà. Parce que ça le fait pas quand même. Enfin, comme j'ai un port d'arme, je pense qu'ils diront rien en temps normal. Non, ils disent rien. Mais bon, t'as une mitraillette dans le dos alors que t'es juste agent de sécurité. Normalement, c'est pas très crédible, ça. Mais bon, que ce soit en difficulté normale ou professionnelle, de toute façon, ils disent rien. Bah lui c'est pareil, je pourrais le neutraliser, mais je le fais pas. Je le ferai dans l'autre version. Voilà notre homme. Donc il y a le blond qui va passer. Et Xander est juste derrière. Allez. Tu vas bientôt mourir. Bon, lui, on s'en fout, on va le laisser. Hop. Non, non, comme ça, l'autre, il a le temps de partir. Allez, c'est le moment. Voilà, c'est très bien, ça. Bon, ce qu'on fait, c'est que, bon... Le garde, vous inquiétez pas, le garde de sécurité, même s'il est rentré au moment où l'autre tombait, il m'a pas vu, le... Du moment qu'il vous voit pas toucher l'autre, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de crime repéré ni rien. Donc là, c'est assassin silencieux, c'est impeccable. Juste pour le fun. Mais bon, en même temps, c'est parce que je peux pas sortir de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, on va regarder le mec... Hop, 2 secondes, dans le sac de... Dans le sac mortuaire. Donc là, on va descendre. On va aller récupérer la clé de la voiture noire qui est dans le parking du consulat. Et on va se barrer, tout simplement. Allez, allez, allez. On y va. Les clés sont sur la table ici. On va repartir par le sous-sol. On pourrait aller dans le parking.
Tais-toi, connard. Donc là, on prend la porte et... Et tout simplement, bah, on se casse. Voilà, c'est tout. On se barre. Et voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette version, bah donc un peu longue là, parce que forcément avec le coursier, c'est un peu obligé que ce soit long, hein, de toute façon. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo sur Xbox One vous a plu, et je vous dis donc à tout de suite pour la version PS4. En attendant, on regarde très rapidement. 157 000 points, 28 minutes. Voilà, on revoit rapidement les objectifs. Il fallait prendre donc les diamants. Suivez le coursier et prendre des diamants. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Xbox One. Et je vous dis à tout de suite pour la version PS4. Allez, merci à tous. À tout de suite. Re les amis, donc on est de retour sur Hitman pour la cible fugitive, le fixeur. Donc après avoir vu la version Xbox One, nous sommes maintenant sur PS4. Allez, on lance le briefing. Good afternoon, 47. Your target is Xander Haverfolk, attaché at the Swedish consulate in Marrakesh. We are expecting him to meet a courier in the city to facilitate the transport of a consignment of diamonds on behalf of Klaus Hugo Strandberg. You must both retrieve the package and eliminate the target. We have been unable to obtain any information on where this package is located, so you will need to shadow either the target or the courier to discover its location. The clock is ticking, 47. Good luck. Voilà, donc là on vient de se taper une nouvelle fois le briefing. Donc encore une fois, bah, aucune contrainte d'assassinat ni de déguisement. Je vais pas m'amuser à le tenter en costume. Par contre, je vais faire comme sur Xbox One. Je vais essayer de faire un maximum pour obtenir le rang assassin silencieux. Donc voilà, toujours les mêmes objectifs, hein, non seulement tuer Xander, mais aussi suivre le coursier jusqu'à ce qu'il récupère les diamants. Voilà, et puis ensuite, bah, une fois que le mec est neutralisé, alors ne le tuez pas par contre, hein. Ne le tuez pas, il faut juste le neutraliser, donc après vous le neutralisez avec ce que vous voulez, hein. Mais bon, ne vous amusez pas à le tuer surtout, il faut juste vous l'assommer ou vous le neutralisez comme ça par le coup, comme 47 fait d'habitude, et puis voilà, et puis vous le cachez, puis vous récupérez les diamants. Voilà, donc si vous avez caché le corps avant de récupérer les diamants, c'est pas un problème, les diamants ils sont au sol, donc après c'est pas un problème, vous pouvez les récupérer après. Voilà, donc là c'est parti. Donc au niveau préparation, là ce coup-ci, bah, je vais pas commencer dans le souk. Je pense que comme j'ai eu besoin sur Xbox de récupérer le costume de soldat d'élite, on va donc faire pareil. Je vais m'infiltrer déjà dans l'école en fait. Donc voilà, dans le complexe. On va garder. Alors attendez, bon. Bon, c'est vrai que pour ce qui est des pièces, les pièces de toute façon, je pense que je vais en récupérer sur place, parce que c'est vrai que sur Xbox, j'en avais, je crois, jusqu'à une dizaine. Donc j'en ai quand même peut-être un peu trop à récupérer aussi. Donc je pense que dans un premier temps. Ouais, on va même pas se servir de... J'ai tué Xander avec la seringue moderne mortelle. On va quand même essayer de choisir autre chose. Ça va pas être évident. Pam 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 pam.
pam 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 pam. Bon, faut que j'arrête de chanter parce que ça sert à rien. Brouilleur à usage unique, bah c'est pratique, mais par contre je vais pas le prendre, je vais essayer de récupérer un pass comme j'ai fait avec la blonde sur le toit, mais bon je vais le récupérer ce coup-ci en sous-sol avec le garde qu'on peut assommer, donc ça déjà je vais pas y prendre. Qu'est-ce que je pourrais prendre sinon? Je vais improviser en fait, soit je vais le dénuquer, soit je le chope à la corde de piano, on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même plutôt d'abord essayer de m'occuper de la cible en premier et on fera le courtier après. On va faire le contraire en fait. Donc là, du coup, j'ai quoi? Ouais, j'ai les pièces de monnaie, ouais. Donc qu'est-ce que je peux prendre du coup? Je perds un peu de temps. Je perds un peu de temps. Je vais récupérer peut-être. Ou alors on peut toujours essayer de. Bah, qu'il aille vomir quelque part peut-être. Ouais, mais non. Ouais, mais non, ça va pas. On va voir. On va tenter le tout pour le tout. Voilà. Bah au pire, voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Je vais regarder le jaune. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Explosif de taille moyenne dissimulé dans un canard en plastique à déclenchement de proximité, à placer avec précaution. Voilà. Ouais, donc celui-là, pas vraiment en fait. Ouais, sinon je pourrais prendre. La charge peut-être. Ouais. Objet de contrebande. Objet de contrebande. Bah écoutez, de toute façon, moi je vais voir si je peux pas le choper au consulat en fait. Donc, moi ce que je vais faire, je vais donc choper des charges explosives à la rigueur, ouais. Bah pas mal. Mais je vais garder quand même. Ouais. Là, le canard pâle, ça va être plutôt pas mal. Comme ça, au pire, il le voit et boum. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc on va voir, on va essayer de faire le rang assassin silencieux, mais c'est pas dit que ça fonctionne. C'est pas dit que ça fonctionne correctement. On va voir. On va tenter. Pardon. J'ai mis pas mal de temps quand même sur Xbox, mais là ce sera pareil, hein. Faut pas s'attendre à avoir une vidéo qui fasse 10 minutes. Hein. À moins que je coupe des passages, mais je trouve que c'est bien de tout montrer. Et c'était plutôt intéressant d'ailleurs, vous avez vu sur Xbox quand j'ai suivi le coursier. C'était très sympa de savoir où il allait. Compte pas simple de le choper quand même dans la ville, pas évident hein. Bon là, point d'entrée dans le complexe à l'école, donc voilà. Good afternoon, 47. The situation in Marrakech is unstable and we believe a coup is imminent. This will provide cover for your operation. Our intelligence indicates the target entered the Swedish consulate but has not been spotted since. The courier is already at the cafe in the city center. On va essayer de récupérer quand même un costume.
serait pas mal. Tiens, un deuxième pied de biche, tant qu'à faire. Ouais. On va passer de l'autre côté. Par contre, faut pas que le... Ah, oh, il est chiant, lui. On va essayer de récupérer un déguisement d'officier, mais par contre, un autre endroit. Nickel. Tu plaisantes ou quoi? Mais c'est nickel ça. J'y vais tout de suite. Je pensais attirer le... Mais c'est fabuleux. Mais c'est fabuleux ça. Eh ben voilà, que demander de plus? On va peut-être récupérer quand même l'arme, ouais, pourquoi pas, ouais. J'ai récupéré par contre le... Ah oui, ouais, c'est bon. Allez, on va tous les congédier, comme ça on aura la paix. Ouais, ouais, on va tous vous congédier, les gars. Comme ça, c'est fait. On va gagner un temps considérable. Ah, lui, ça marchera pas. D'accord. Ah. Non, mais non, non, c'est... Ok. Voilà, barrez-vous. Bon. Ok, alors on se rappelle que j'avais récupéré... Enfin, récupéré, je dis n'importe quoi, moi. Voilà. On se souvient que j'avais assommé le mec ici. Par contre, moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que je peux congédier cela. Ouais, comme par hasard, non. Ce sera trop beau. Hein? Tu penses? Bon, ce qu'on va faire, si on croise le coursier, on s'emmerde pas, on s'occupe de lui. Si on le voit pas, on va au consulat. Donc après, ouais, on risque de refaire peut-être un petit peu les mêmes choses. Voilà. Et voilà, je crois. Voilà, donc ça c'est fait. On va passer par là parce que je me souviens qu'il était passé ici. Ah ouais, forcément, eux, c'est vraiment des postes qu'ils ont. Ouais, on peut pas. Bon, on va quand même regarder un petit peu. Hmm.
On est d'accord, hein. On le voit pas, hein. Bon, allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop perdre de temps. On a le bon costume. Et donc ça, c'est bien. Bah, une bonne clé anglaise. Ah ouais, le boss va t'arracher la tête. Bon allez, dépêchez-vous les gars, parce que déjà lui on va pas s'en occuper, on s'en fout. Ouais, c'est surtout lui qu'on va faire. Allez, dépêche-toi de descendre. Que je puisse te matraquer la gueule. Au lieu d'y balancer, on va lui faire en attaque silencieuse. Hop là mon pote. Alors, il est où le... Voilà ce qui m'intéresse, les cartes d'accès. Voilà. Ah mais sans déconner. T'avoueras que là, tu peux pas ouvrir l'armoire parce que c'est le même bouton. Ah là là, je te jure. Bon, voilà. Donc les autres, c'est pareil, on s'en moque un petit peu. On s'occupe pas d'eux. Donc c'est vrai que sur Xbox j'étais passé pas là en raccourci, mais par contre bon alors on va quand même refaire pareil, on va quand même reprendre tout ça. Là c'est pareil, ça m'intéresse tout ça, on prend le schéma de la tourelle. Ouais mais non, il n'y a pas besoin. Ouais, ouais. Donc ça c'est bon. On se dépêche quand même. Hop. Alors, il me semble qu'il y a des pièces, c'est là, tant qu'à faire, ça fera toujours des pièces en plus. Et puis, là, au cas où, il y a un pass là-bas. Soit là-bas. Alors attendez voir. C'est où en fait? Je me rappelle plus. Ouais, c'est là en fait. Voilà. Au cas où, je vous le dis quand même. Donc là, en tant qu'officier, bah, je peux pas me faire repérer ici. C'est ça qui est très pratique. Par contre, dans le côté là, il y a quand même certains qui peuvent me repérer. Donc là. Voilà. Alors, même si ça sert à rien parce que j'ai déjà ce qu'il faut, je prends quand même de quoi faire. Et on va voir où est l'autre tête de cul. On va essayer de pas se faire repérer, sinon si on se fait repérer, tant pis. C'est le jeu, hein. Bon, donc ça, et on récupère tout. Voilà. Donc, ça c'est bon. D'accord. Bon, bah j'espère que...
Ah, mais c'est vrai que j'ai pas récupéré. Petite charge explosive. Bah bon, après voilà, hein, c'est au cas où. Hein. On va voir s'il revient ici. Voilà. Donc lui il nous emmerde. Voilà. Comme ça, on va voir si le mec il revient ici. Putain, le voilà quoi. Ah, mais en fait, je vais peut-être pouvoir le revoir au même endroit en fait, ce connard. On va essayer. Quand je pense qu'on pourrait le pousser, mais qu'avec ce connard de garde derrière. Ah, putain. Oh là là. Mais qu'est-ce que j'ai envie de te pousser, là, sans déconner. J'aimerais trop te faire tomber par terre. J'aimerais bien te faire basculer par-dessus la rambarde. T'aimerais pas tomber, t'écraser la tête contre le sol? Non. T'as vraiment des lunettes à la con. Mais regardez-moi cette chemisette. Enfin bon. Bonjour monsieur. Quelle jolie cravate. Ou pas. To know you were here, sir. Weird. Hey. Sorry, wouldn't hurt, buddy. Target eliminated. Voilà, donc ça c'est pas mal.
Donc, ouais, quand même. Voilà. Ah bah lui il est là, tiens. On va attendre qu'il parte. Donc là voilà. Voilà, ce qu'on va faire, si je me rappelle plus si je me suis fait repérer par une caméra ou pas. Donc du coup, on va peut-être quand même ouais, et puis on va pas avoir le temps de... On va refaire le même truc. Say what? Hi, it's me. Donc là voilà, on va partir. De toute façon, je pense que le mec... va essayer de le retrouver à l'école du coup quoi. J'espère qu'il n'est pas trop tard. On va voir comment ça se passe. On va passer par là. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est, mais on va quand même essayer de... You're dismissed. General Satan's order. Ben, comme ça. Et voilà, la pièce et les diamants. Impeccable. Et voilà le travail. Impeccable. On a vraiment fait un bon truc, aussi bien sur Xbox One que sur PS4. J'espère que les deux vidéos vous ont plu. Bon, il y avait des choses similaires, mais j'ai quand même j'ai d'abord commencé par la cible que j'ai éliminé à la corde à piano pour changer de la seringue. Et ensuite je me suis occupé du courtier qui bah, que j'ai bien sûr neutralisé au même endroit aussi, mais bon voilà,
En tout cas, les deux en Silent Assassin, et ça, c'est vraiment nickel. Je suis vraiment très content. Donc voilà, c'était Immortal 71 Camille. N'hésitez pas à vous abonner, un pouce bleu, commenter, partager. Mon site c'est oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça serait super sympa. Et ben voilà, j'ai même, je crois même gagné un poil plus de points, vu que j'ai dû mettre 19 minutes, à peu près 20 minutes au lieu de 28. Ben voilà, ben c'est parfait. C'est parfait, merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, amusez-vous bien, allez ciao.